Salut à tous, c'est Quincy, on se retrouve aujourd'hui sur Imperatorum et j'ai le plaisir d'être accompagné par Blueshart. Salut. Et alors, on a décidé de se faire une petite partie à deux. Et on a prévu de partir donc Macédoine et Thrace. Ouais, Macédoine pour moi et Thrace pour on toi. Va voir, on se sépare le monde. On se sépare le monde. On va tracer une ligne au milieu. Et moi je prends l'ouest et tu prends l'est. Et alors on va jouer en difficile parce qu'on avait fait une petite partie la semaine dernière pour voir. Et on a grossi très rapidement. Donc. Ouais, il n'y a pas trop de. En plus, en étant entre guillemets allié, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop d'adversaires, quoi. Ouais, voilà. Donc alors c'est parti. Et alors on a le même texte, il me semble. Ouais, Alexandre le Grand, ouais. Mais du coup, ça nous donnait quoi? C'est juste une petite intro, on n'a pas, c'est pas les revendications encore. Ouais, non, ça c'est. Non, ça c'est juste le contexte historique, quoi. Ouais, ok. Donc il y a un des cinq mecs là, c'est nous. Et donc le sort en est jeté. Alors. Donc toi, tu commences avec Thrace. On a tous les deux des vassaux. Ouais, des vassaux. Ouais, c'est pas. Toi, tu as les Odris et moi j'ai les Péoniens. Ouais, suzerain en fait. Il... Alors, moi j'ai Péoniens, okay, ouais, Argos. Il me file juste 9 de. Ah non, il me file de la pop quand même. Il file de la pop? Ah non, d'effectifs, pardon, 9 d'effectifs, je confonds l'icône. Ouais, il me file juste 9 d'effectifs. Alors. Il me file des petits bonus de satisfaction et civilisation, mais vraiment tout petit. D'accord. Par contre, moi je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a les flics qui ont décidé de sortir. C'est souvent ça. Ah putain, c'est pas le même début du tout. Voilà, de retour. Non, je dis c'est pas le même début du tout. Genre mon dirigeant il était marié par exemple. Ah ouais, ouais non, c'est ce que je te dis. En test. Ouais, c'est ce que je te disais en fait. Il y a une rotation de 2 ou 3 dirigeants par pays. Et il se peut que. C'est pas aléatoire en fait. Il y a vraiment 2 ou 3 dirigeants et puis c'est bon. D'accord. Et pour le coup, le mien il est moins dégueulasse qu'avant. Et moi il est vraiment pas mal, ouais, le mien. Moi j'ai un 7, 6, 3, 4. 18, 6, 5. Ah ouais? Ouais, non. Ah ouais, non. Après, tu te souviens l'avantage niveau citoyen que t'as par rapport à moi sur la recherche? Ouais, voilà. C'est 3 techs que j'ai pas passé la première. Donc... Là, par contre, on est amis. On est amis. On est amis? Ouais. Déjà? Bah ouais, nos personnages commencent, ils sont amis. Ah d'accord. Non. À rompre l'amitié. Rompre. J'étais sur la même chose. Va chier. Donc alors, je vais proposer une alliance. Donc 47 on est ans, toi. Attends, je regarde moi. Toi, t'as l'air plus 57 vieux. 57 ans. Ah ouais. Bon, pas tant que ça. 57, c'est pas non plus... Ah, 10 ans. J'ai pas souvenir jusqu'où ils peuvent aller, les... Moi, j'ai vu que c'était monté 70, jusqu'à 77, j'ai vu. Ouais. J'ai pas vu 4... Je crois pas que j'ai vu 80. C'est peut-être, mais c'est rare. Très rare du coup. Alors, on va partir sur. Moi, je veux un peu plus de taxes à l'échelle du pays. Voilà, on fait les petits réglages avant de. Ouais, je vais partir sur la recherche directement. Ouais. Du coup. 3 routes dispo. Rapidité des recherches, plus 5%. C'est vrai que. Ouais, moi, je vais les enquiller assez rapidement. Ah putain, toutes mes routes, il y en a beaucoup qui sont en Phrygie en fait. J'espère qu'ils vont pas exploser trop vite, sinon ça va me péter mes routes. Normalement, t'as pour au moins 10-12 ans. Enfin, ouais, sur la partie qu'on avait fait en fait, ils avaient explosé quand nos persos étaient morts à peu près au même moment. C'est quand t'avais perdu les revendications que du coup c'était plus intéressant de les attaquer. La bonne blague. Les points de puissance oratoire pour faire des revendications chez eux. Ouais, exactement. Alors, du coup, moi, j'ai 2 armées. Non, j'ai une seule armée. Qui je vais mettre? Est-ce que je mets Cassandre? Bon, j'ai pris un peu de tout niveau route. De la recherche, des effectifs et de la croissance de pop. Ouais. À lui, prétend au trône, mes cohortes commandées... Ah non, putain, j'ai que des mecs loyaux dans mon pool de personnages, c'est cool ça. Ah, c'est bien. Tout ça 75.
Non, moi j'ai le frangin qui fout la merde encore. So 70, 60. Ah ouais, Ouais, non, moi, la il. recherche, elle est dégueulasse, quoi, chez moi. T'es à combien? Moi j'ai 40 quasi. 30. Ouais, t'as 10 de moins. 10 ans de plus, 10 de moins de recherche. C'est ça, ouais. On est un peu plus tribaux chez nous. Ouais. Route commerciale, j'en ai une Attends. de plus, mais je peux pas faire grand-chose. Bah non, j'ai plus de points. Idiot bête. Et alors, ce que je voulais faire, est-ce que... Oh putain, je suis garanti par l'Empire Séleucide, je m'en souvenais pas ça. Et par l'Égypte. Oui, on est garanti, il me semble que moi aussi. C'est pour ça qu'il me filait des thunes, je m'en souvenais pas. Quoique non, d'habitude il file... Ouais, je sais plus. Pareil, ouais, Empire Séleucide et Égypte. Ah ouais, mais putain, mais c'est vraiment pété le début. Y a Non, mais... personne qui peut nous attaquer, quoi. Non, puis nous on peut rouler sur les gens. Par contre, c'est pour ça qu'on joue Ouais. en difficile aussi, parce que c'est vrai que Ouais. sinon ça va monter assez vite. Dans l'idée, je me rappelle même plus comment j'avais commencé. Si, j'étais T'avais parti en commencé à guerre, piger ouais. EB, je crois. EB ou EB. B aussi, je sais plus. Enfin, Ouais. t'étais parti plus vers l'est que l'ouest. Genre, et pire, tu devais pas attaquer de suite. Non, ça est pire, j'avais fini, j'avais commencé en dessous. Ouais. J'avais commencé en dessous, je vais mettre Ah oui, les on peut pas décrire, ouais. doctrines. Alors, morale des armées plus 10, ça va être important parce Tu mets les que. doctrines déjà? T'as des Oh. casus belli, toi? On va en avoir des casus belli. Ça arrive assez vite? Je me souviens plus s'il faut que je garde mes points ou pas, en fait. Ça arrive assez vite, oui, mais ce sera sur la Phrygie, il me semble. Ouais, donc faut que je garde des points pour un pays frontalier, style Byzance ou... Ouais. Mais par contre, ce que tu peux faire, Chalcédoine. c'est ton mec, il a plus 10 en comment point de. En martial? Ah ouais, il Non. a combien en oratoire? 7, 8? 6. 6. Ouais, 6, ça va aussi. Donc, je te conseillerais de prendre au moins la doctrine militaire du moral des armées Oui, parce que ça pour va se mettre à niveau, contrebalancer ouais. le... Ouais. Et quand t'es Oui, c'est chaud, vrai, ouais. on peut enlever la pause. Oui, du coup, alors attends, je regarde, c'est combien les revendications? Ça va être 190? quelque chose comme ça. Ouais, donc je peux commencer à... J'ai 180, moi. Tu les as à 180 les revendications, toi? Ouais. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Peut-être le niveau de recherche, enfin le nombre de citoyens, peut-être ça doit jouer, je sais pas. Vas-y, bah c'est parti. Ok. On est parti. Donc on va rester en vitesse 3 et on fera des Mais là, pauses de toute quand on a façon, besoin. ouais, puis la pause, on n'a même pas besoin d'être à deux pour la demander pour que ça fasse pause, donc... Ah, moi j'ai partie désynchronisée. Ah merde. Ça joue encore chez toi ou Ouais, mais ça me dit jouer en solo ou retourner au menu. Ah. Attends, c'est que tu télécharges quelque chose ou... Non. Moi ça m'a mis que tu laguais que. Ouais, ça m'a mis ça, mais ça me l'a mis 15 000 fois l'autre fois. Et t'as pas eu l'air de voir la différence. Non, mais là c'est vrai que. Je vérifie s'il n'y a pas genre Steam qui télécharge ou une connerie du genre. Normalement, moi c'est bon. Sinon, bah tu recharges de toute façon, t'as l'idée de la partie. Ouais. Ah, moi Steam, je l'ai mis qu'il téléchargeait pas. Ça commence bien. Ouais, grave. Ouais, bah j'arrive, je reviens. Mot de passe. Et bah du coup ça me permet donc pour tous les ouais pour tous ceux qui viennent de ma chaîne et qui ne te connaissent pas, c'est vrai que tu as une chaîne donc elle fait partie des chaînes qui sont listées sur la page d'accueil de ma chaîne sur le côté et je mettrai un lien aussi dans la description. Et alors toi tu fais pareil, tu fais un peu ce genre de jeu et les jeux de gestion, c'est ça? Ouais, de gestion, de stratégie, après y a un peu de sport, mais oui, non, principalement des jeux, ouais, gestion, stratégie, en gros, je trouve que c'est plus facile de raconter des histoires, entre guillemets, Bah oui, que sur des jeux de... bah Après, les RPG, j'aime les RPG, mais bon, disons que c'est plus... Ça te fait des séries à 150 épisodes, je suis pas certain que tout le monde suive jusqu'au bout, quoi. ouais, ou alors tu te la joues Bob Lennon avec Skyrim. C'est combien qu'il avait? Les 400 speedruns? épisodes. Non, 400 Ah non. épisodes. Ah ouais, mais faut avoir le public qui suit là. Ouais. 400 épisodes, putain, mais t'imagines, ça fait plus d'un an là, à raison de une Ah par an. ouais, puis ce qui était marrant, c'est que
Ah non, sa série, elle a bien duré 3-4 ans, 3-4 ans. Je sais même pas si elle Ah ouais? continue, d'ailleurs, j'ai lâché l'affaire, mais je me suis arrêté à l'épisode 400. Tu t'es arrêté, c'est pas lui qui s'est arrêté. Non, parce que pour l'épisode 400, il avait fait un spécial de 8 heures. Oh là Non, ça m'a là. pris. Après les mecs, c'est leur boulot quoi. Ouais, voilà, ça m'avait pris un peu 2 semaines à regarder l'épisode, mais c'était violent. Et ouais, bah, j'ai vu que donc toi, tu fais par contre plus du Total War. Ouais, oui. oui, j'ai 5-6 séries sur Total War. Mais en fait, je suis arrivé au. J'aime l'histoire en général, on va dire. Et je suis arrivé sur les jeux la gestion stratégie d'histoire par les Total War, quoi. Ouais. J'ai découvert les paradoxes un peu tard, en fait. D'accord. Ça y était en jeu là. Oui. Mais pour toi, je suis en jeu. Pour moi, je suis à 75% de connexion au serveur. D'accord. Et donc, c'est bon, c'est que la connexion, il l'a fait, quoi, entre nous. D'accord. Donc ce que je le vois pas en fait si t'es connecté ou pas. Ça arrive là. Ça arrive, ça arrive. C'est vrai qu'on avait joué sans trop de problèmes. Non, il n'y avait eu aucun problème. J'avais eu les trucs que je laguais, mais toi tu l'avais jamais vu, j'ai l'impression, ou ça t'a pas Enfin, gêné. si je l'avais vu une ou deux fois, mais c'est vrai que c'était pas violent. Du coup, je vais passer en vitesse 2 d'abord, juste pour vérifier que ça marche. Et puis. Ah merde! Attends. La puissance régionalistique de Macédoine a rompu notre alliance du fait que Thrace est devenue trop puissante pour avoir des alliés. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est parce que en fait, moi je suis une puissance régionale et toi tu es une puissance régionale aussi. Non, je Régional pense que aussi. c'est parce que tu l'as, C'est ça a une déco. considéré que c'était parti sur l'IA et que tu l'as récupéré encore, donc ça annule les traités. Ok. Bon, Voilà. je te refais une demande. Putain, je perds des thunes, j'avais oublié. Au début oui, mais après ça devrait aller. Ouais, Bon, première guerre, c'est bon. on relance, on est en vitesse 2, on va voir si ça passe. On croise les doigts. Ça a l'air de passer pour l'instant. On a fait 8 jours. Le 16, ce sera Prépare bon. C'est bon, le tic du premier mois. on a déjà doublé le temps de partie. Et alors. Ouais, donc alors attends, combien il me faut? Je fais 5 points d'oratoire par mois. Et il m'en manque, j'avais dit combien? 40. Ouais. Ouais. Je sais pas si les revendications vont arriver en premier. Après, je peux partir, je pense que. Éolide, c'est un vassal, non? De la Phrygie. C'est un Oui, feudataire, ouais. ouais, c'est un feudataire. Donc, C'est vrai que il y a moyen qu'il y ait. moi j'ai un feudataire avec moi. J'en ai même plus que ça en fait, j'en ai deux des feudataires. Ouais. J'ai EB et Argos. Et D'accord. Péonien. Ah non, c'était Vassaux Tribaux, pardon. Ouais, vassaux Trémo, c'est ceux qui servent à rien au nord. Comme les tiens en fait. Ouais, ouais, Ils sont ouais. voisins, mais. C'est l'état tampon, histoire Ouais. d'être tranquille, quoi. Ben voilà. Voilà. Et alors, l'Étolie. T'es allié avec la Béotie. Ah, bah ça peut être sympa, ça par contre. Et c'est. Allez. Ah, attends, c'est chez toi, B aussi, ouais. Ouais, c'est dans le sud là. Ah, mais c'est nickel ça. Ça veut dire que si tu les attaques ou moi je les attaque, l'un et l'autre rentrent en guerre en fait. Alors, Ah, ça y hop. est, j'ai les revendications. Ouais. J'ai le point de recherche plus 5%. Oui. Discipline de l'infanterie lourde plus 5%. Oui. Effectif plus 5%. Oui. Beaucoup de commerce. Des sous. Ça y est, je suis déjà positif. C'est vrai que j'engrangeais de la thune comme pas permis aussi l'autre Ah fois. non, mais c'était n'importe quoi, Oh, t'étais à 10 au bout j'étais des à 3 mois. 20. Hein. J'étais Ouais, ou je sais plus. je suis à plus 4 là. T'es à plus 4. Ah, ça y est, je suis passé en positif du coup. Ah, je suis à 0,22 moi. Ça passe. Et donc oui, donc les guerres. Je pense que tu dois avoir plus de ressources de base en fait. Du coup, t'as plus de demandes de commerce, non? C'est pas ça? Ouais, c'est très fort possible. Oh, j'ai que Ouais. ça là, j'en ai 5 de plus des demandes de commerce. Et Ouais, bah j'en ai une. c'est tout bénéfique. Là, je crois que je vais passer, je suis déjà à plus Entretien 6. des armées moins 2. Ouais. Moi, c'est fluctuant là, je suis à 0, moins 0,09. Et Bon. alors, pour expliquer un peu ce que j'ai à l'écran là, les guerres des Diadoques, c'est que vu qu'on fait partie, enfin, on fait partie de l'ancien empire d'Alexandre, que ce soit la Macédoine ou Thrace, on récupère en fait des, un peu comme avec Rome, on Ouais. récupère des revendications sur tout ce qui faisait partie de l'empire d'Alexandre.
Après, c'est même plus logique, je trouve, qu'avec Rome, parce que Rome, à ce stade de, de l'histoire, ils ont rien, en fait. Ouais, ils ont rien. Joueurs, je pense, dans les revendications qui se font tout seuls, quoi. Ouais, voilà. Là, c'est limite, c'est plus légitime, je trouve. Hein, parce que avant notre début de partie, ça a existé, quoi. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui peut... Il me semble que c'était point de recherche. Voilà. Oh, alors, attends. Ah oui, allié à la Bithynie. Et toi ? D'accord. J'ai importé du papyrus et maintenant j'ai 20% de plus de points de recherche. Donc je vais vraiment exploser la recherche. Parce que t'importes du papyrus ? Ouais. Putain. Je suis passé. Ouais, faut que je parte sur. Comment ça s'appelle ? Faut que je chope rapidement les terres des Oulides là. Ouais. Histoire d'avoir accès au commerce au sud là. J'y ai pas accès moi. Par contre, c'est contre la Phrygie donc. Ouais, bah oui, moi aussi j'ai du commerce avec eux. Toi, t'étais parti contre Byzance. Byzance ou. Non, je crois que j'avais demandé. Je m'étais chié, j'avais demandé. L'objectif de guerre c'était Chalcédoine. Et puis j'avais fait des paix séparées pour avoir plus de thunes. Et j'ai juste pris leurs thunes à eux. Enfin, quand j'ai fini par eux, j'ai pas pris leurs terres. Je crois que c'était ça. D'accord. Bon, moi je vais me. Parce qu'ils ont pas d'alliés en fait, eux. D'accord. C'était plus simple. En fait, moi, je pense que je vais me taper l'Étolie d'abord. Je commence par Byzance, du coup. Alors, je vais essayer d'augmenter la vitesse de jeu en 3, parce qu'on était en 2. Ça a l'air de passer. Non plus ? Ah, si. Si, la Bithynie, oui. Donc, c'est eux. Et toi, tu pars sur qui, tu m'as dit ? Étolie ? Étolie, ouais. C'est celui qui est au sud de moi, à côté de l'État Rose. Il y a personne là-bas et puis. Ils ont qui comme ils ont en face là. Ah non, commerce, non pas du tout. Élis. Ouais. Si, ils ont un allié. C'est quelle province ça ? Étolie. Province d'Étolie. Mais pourquoi ça me. C'est bizarre. Ah, j'ai la revendication. Je vais bouger mon armée. Je vais voir un peu qui c'est qui va être contre moi. Parce que je ne sais pas encore. C'est vrai que je peux offrir des garanties. Je me souviens plus, est-ce que quand j'offre une garantie à un petit pays, non, il vient que si je suis attaqué ? Non, c'est toi qui viens si, s'il ouais, est attaqué. Vient pas, parce que tu sais quand t'es une puissance... par non, non. C'est quoi puissance locale, tu sais, t'as des alliés. Ouais. Qui viennent aussi. Non, c'est la ligue défensive. Quand tu grossis... Ouais, mais quand tu grossis, ces alliés deviennent des garanties. Ouais. Et là, ils viennent plus ? Non, ils viennent plus, non. Ils en ont rien à battre. D'accord. Est-ce qu'un fort va être construit à Oranion ? D'accord. Donc c'est si j'attaque Oranion. Maintenant, la Phrygie vient et elle passe chef de... Non. De machin. Chef de guerre ? Ouais. C'est avec eux qu'il faut traiter. Ouais. Après... Tu pars... C'est en attaquant qui que la... que la Phrygie vient ? Ouais. J'ai Aigon qui vient... Élis aussi, les Préons et la Phrygie. C'est jouable. Après, il n'y a que la Phrygie qui vient ou tous ses vassaux ? Tous ses vassaux. Ses vassaux. C'est le nombre qu'ils ont. Ouais, il y en a un peu trop. Eux tout seuls, c'est pas grand chose. C'est 26 cohortes et 15 navires. Ouais. C'est jouable, mais là, s'il y a tous les vassaux qui viennent. J'avoue. Après, je pourrais. Je pourrais emmerder la. Parce que. Le problème de la Phrygie, c'est qu'ils ont une province chez moi. Donc ça peut être emmerdant pour eux, mais ouais, pour le coup, là, ça va être peut-être un peu difficile. Ouais, ce serait pas plus sage d'attendre qu'ils éclatent. Ah, mais si j'attends qu'ils éclatent, après, je vais plus faire grand-chose, mais... Ils garantissent toutes les provinces autour de chez toi ? Ouais, c'est le problème, en fait. C'est indépendance garantie. C'est vrai. Attends, je vais regarder. J'ai une innovation. D'accord, ouais. En fait, ils garantissent tout le monde, à part l'Arcam. D'accord, eux, ils étaient pas garantis avant. Sympa. En fait, c'est... Je vais manger un autre. Le rose, là. J'en ai vu un... Akarnami. Akarnami. Par contre, j'ai plus de points. Ouais. Et Pierre viendrait.
Donc ça me permettrait de manger Épire direct et Boëti. Moi je crois que je vais partir en guerre, il y a... Boëti. Ah bah si tu pars en guerre, tu n'as toujours pas d'alliés, mais je pense pas que j'ai besoin de toi, sincèrement. Oh. Ils ont 5 cohortes, ils ont pas d'alliés. Mais j'ai envie de jouer, moi. Ah, mais tu peux venir. Non, mais je veux dire, non, parce que tu te souviens comme c'était long de traverser tout le truc, là. Ouais, ouais, ouais. Non, puis en plus, il y a 3 provinces, donc ça sert pas à grand-chose. Non, c'est pas grave, on va te regarder jouer. Ah putain, ça fait déjà 20 minutes, c'est ouf. Bon, on va attendre un peu parce qu'on a eu des petits problèmes de lancement. Ouais, puis je pense qu'on peut faire la première guerre, elle va être rapide. Ouais, je ouais. Je peux ouais. En suivre plus, donc c'est non. Satisfaction des hommes libres, oui. Bon, du coup, je te déclare la guerre. Vas-y. Ah, si, il y a la chalcédoine, mais c'est la toute petite crotte là à côté. Là. Ah ouais, celle que t'avais oublié de manger. Ouais, si tu veux. Allez, vas-y, c'est parti. Sharif. Bon, attends, je fais pause, voilà, juste le temps après avoir les mouvements. Voilà, bon, le temps que... Putain, j'ai aucune visibilité sur leur pays, pourtant je suis collé à leur frontière. Là. En fait, tu vas avoir une visibilité sur Philia et Celimbria, mais pas sur Byzance. Ça veut dire que toutes leurs troupes sont sur Byzance. D'accord. Donc là, si on vérifie... Putain. Ouais, c'est ça, j'ai juste le détroit du Bosphore, là. Ouais, t'as une visibilité, en fait, sur juste okay. Leur truc. Du coup, en fait, je vais forêt envoyer mon bateau. Forêt. Ah oui, c'est pas bête. Ça coupe, là. Je me souviens plus, on avait fait le test, mais je me souvenais plus. Je relance la partie. Hein. Je me souvenais plus si on coupait, tu sais, comme dans un repas, la traversée des troupes avec des bateaux dans le. Ouais, ouais, si, c'est pareil. Ça le faisait, ok. Ouais. Parce que quand on était sur avec. Enfin, quand moi j'étais en guerre avec Épire, c'était bloqué par les. Par les. Comment. Pirates. Défense résolue, voilà. Voilà, ils sont à 13 000. 5 000, oh, tu peux leur sauter dessus là. Ouais, mais ils sont dans des forêts. Hein. Regarde, ils vont se déplacer chez moi. De toute façon, j'ai même pas besoin de leur péter leur armée, juste leur prendre leur. Ouais. Leur territoire. Ça se passe comme dans Europa. Hein. Dans Europa, t'as beau avoir pris tout leur territoire, s'ils savent qu'ils reviennent te péter la gueule avec 40 000 hommes, ils voudront pas la paix quoi. C'est la base. Mais là, ça marche pas cette mécanique donc. Non, puis là en plus, le comment. Leur machin va tomber très rapidement, on est en blocus. Ils ont un port sur Byzance. 50% du blocus. Ouais. Byzantion, un port, on est à beaucoup. D'ailleurs, le Paradox a publié sa roadmap pour le développement pour cette année. Oui, j'ai vu. Dans le launcher, tu l'as. Ouais. C'est ça. Et bon, ça a l'air, on va se prendre deux updates. J'ai l'impression qu'ils ont dû serrer les fesses au moment de sortir le jeu. Vu tous les. Mais le problème, les patchs, c'est. Etc. qu'ils prévoient depuis la sortie, quoi. Non, le problème, c'est que il y a en fait eu comment je pourrais dire ça? Il y a eu trop d'attentes des joueurs. Parce que le jeu, il est sorti. Au niveau des jeux Paradox, c'est après. Au niveau contenu, c'est celui qui avait le plus de contenu après Crusader Kings 2 quand il est sorti. Ah ouais. Donc, Imperator a plus de contenu que. Avait plus de contenu que comment. Qu'Europa. Qu'Europa 2 à sa sortie. Qu'Europa 4 à sa sortie. Plus de contenu que comment. Victoria à Stellaris, sa sortie. Hein. Et Stellaris. Donc c'est vrai qu'après... Le truc c'est qu'ils étaient entre guillemets moins connus du grand public exactement. À l'époque de ces jeux, donc il y avait peut-être moins d'attentes aussi. Voilà, mais c'est un peu le problème en fait, c'est que il y a eu une disproportion des attentes. Ah non, j'ai eu peur, ça m'a dit que je laguais. oui. Ouais. Bon après tu te dis avec le nombre de ventes sur leurs jeux précédents, plus tous les DLC, etc., tu te dis bon... Ils ont dû grossir aussi, peut-être. Ouais. Puis, enfin. Ils vont faire un truc un peu plus complet à la sortie, quoi, mais. Bah, après, le problème, c'est que. Trop complet, c'est le risque de tourner sur trop de bugs. Ce qui peut être assez violent, en fait. Là, pour le coup, le jeu est sorti, il n'était pas si bugué que ça. Non. Oui, je suis d'accord. Il est. Enfin, il n'était pas cassé, quoi. Il manquait quoi, des jeu. Choses, mais ça tournait, quoi. Voilà. Ouais, il manque. C'est sûr que, niveau contenu, t'as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. C'est un peu tout le temps la même chose. Le problème, c'est que ouais, c'est t'as joué une province tribale, tu les as toutes jouées quoi. C'est un peu ouais. Le problème, c'est ça qu'ils vont essayer de changer maintenant.
cette année. Donc à la limite, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu en lui-même, j'ai jamais eu de crash. Non, moi non plus. Et même en vitesse x5. Ouais, voilà, même en vitesse x5. Bon, il laguait un peu au début, mais le premier patch correctif qu'ils avaient sorti était plutôt ouais, pas mal. Ça fait du bien, ça d'ailleurs. Ouais. Je vais parce qu'avec ça. Chrome, là, quand tu commences à faire des routes avec deux ou trois armées, là, qu'est-ce que c'était long. Ouais. Putain, la Bitini se fait attaquer par. Ah, la Phrygie, direct. C'est bon ça. C'est très bon ça. Ça veut dire que s'ils récupèrent leur territoire, dès qu'ils éclatent, on peut leur péter des. Enfin, je peux déclarer la guerre, j'ai les revendications chez eux quoi. Et on est limitrophes en plus, donc je pourrais récupérer les territoires sans. Ouais. Je sais même plus sur quel pays j'ai les revendications. Je pense qu'on a beaucoup. Ah, les Jeux Olympiques. Ouais. Je sais même pas qui c'est, j'ai envoyé le meilleur. Hélice, c'est qui? Ah, attends. Ah, Demados, attends. C'est lui. C'est la note de Martial qui compte pour les Jeux Olympiques? J'en ai aucune idée. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Putain, il y a encore du FR Lock. Je viens de le voir dans le message. Deux athlètes, lequel devons-nous envoyer pour représenter les Jeux Olympiques? Ça a pas été. J'ai l'impression que c'est les. Comment. Les qualificatifs des parties. Sur les adjectifs, ils ont sur les adjectifs, ouais. Bah, tu le vois. TRE, ça doit être trace. ADJ, adjectif. FR, lock. Voilà. Ouais, voilà. Et apparemment, c'est vraiment que la traduction FR qui déconne. C'est ça qui est abusé en plus. C'est con parce qu'ils en ont quand même pas mal des youtubeurs qui font du contenu Paradox. Hein, ouais. Dans les français. Là, je suis en train de courir après un mec. Il a pas envie de s'arrêter pour que je le massacre. Bon, il reste plus grand chose la guerre, je suis à 14% du siège. Ouais. Non, mais il y a 6000 qui sont en train de fuir là. Ouais, je les vois. Ouais. Ah, ça y est, je les récupère. Je les rattrape. Ils sont passés devant. Question bête là, parce que je me suis remis à rejouer à Europa là, ces derniers temps là. Ouais. Y a pas de note de manœuvre. Ils courent tous à la même vitesse, les mecs. Très bonne question. Parce que là, tu lui cours après, mais de quoi dépend le déplacement des nouveaux deux unités là? Si, c'est ton général. Si j'ai le souvenir, un général qui a plus de manœuvres va te permettre de dans les stats du général. Ah non, ah tu veux dire dans ici? Dans oui, Impérator. Oui, ah, oui. Dans Europa, je vois très bien, mais là tu lui cours après. De quoi dépend votre. Là, c'est la. T'as ton unité la plus faible. Le terrain a une modification, mais t'as tes unités qui ont une vitesse de déplacement. Ok, attends, pause, je suis à 99%. D'accord. Perle le surplus, je refuse. Alors, Chalcédoine. Pourquoi je peux pas négocier la paix? Ah merde, je peux pas faire de paix séparée, elle a été trop rapide la guerre. Bon, c'est pas grave. Attends peut-être un petit peu la fin du mois alors. Parce que t'as la Chalcédoine, tu l'occupes complètement. Ouais, sauf que si je veux faire une paix séparée avec elle, il faut que j'attende le 21 juin 455. Normalement non, attends la fin du mois, remets-la en play et attends la fin du mois. Parce que jours. Quand t'es à 100% d'occupation, ils ont pas le choix. Essaye. Je suis pas à 100% en fait, je suis à 99%. Le 1% c'est les 5000 qui pleurent là-bas. Je reteste, mais non. Ah, c'est la Chalcédoine, tu peux pas? Mais je pense que tu dois pouvoir le demander directement avec... ça fera juste moins de sous. Pour gratter 60 pièces d'or en plus quoi. Ça, je te les 60 pièces d'or, ça me fait. Je te les file les pièces d'or, c'est 30% pas... de. Je suis à 1,22 moi de revenu. Ouais, je suis à plus 10. Ouais, bah voilà. Ça fait quoi, 3 mois hein? Non, 2, 3 ans. À peine. C'est bon, les 60, okay. je t'enverrai des thunes, c'est pas grave. C'est bon. Allez, je passe l'expansion agressive. Hop. Je mets un gouverneur. Pas corrompu. Je me mets. Attends, niveau culture, je me souviens plus, c'est la même que moi ouais, oui, trace. Il me semble que c'est. Enfin, c'est non, c'est à quoi oui, c'est la culture hellénistique, ouais. Culture et religion, bon, normalement, culture. C'est bon, là, tout le nord est bon. Religion, je l'ai perdu l'icône. C'est le soleil. Ah ouais. Celui qui est juste à côté. Ouais, non, je suis bon, donc en fait, action civilisatrice. D'accord, et ben du coup, on va pouvoir s'arrêter là, et puis à l'épisode prochain, moi, je vais pouvoir me. M'attaquer. La Carnanie.
Voilà, je c'est défonce. Les roses, hein, ouais. Ouais, c'est les roses. Bon, du coup, on vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve très rapidement pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut. Salut.